Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Mode à la Mode, un épisode qui vient longtemps après le précédent puisqu'il n'y a plus vraiment de championnat créé. Je vous rappelle que le Mode à la Mode, c'est lorsqu'un championnat est créé pour un jeu en tant que mode. Et aujourd'hui, eh bien, on va s'intéresser à une bande de petits français très bien nommés puisqu'ils s'appellent la ACFL, Assetto Corsa French League. Et ces garçons nous ont développé cette Renault 8 Gordini, voiture de sport française légendaire. Et avec l'aide de plusieurs personnes, eh bien, certains se sont occupés de la 3D, du son, des textures, des skins, et ils ont produit une version 1.2 de cette voiture depuis la mi-octobre, et forcé de constater que ça fait le boulot. J'ai été très impressionné par ce mod qui a un comportement très travaillé. Vous pouvez d'ailleurs retrouver sur le net plusieurs séances de modding live et sur Twitch, je crois, sur YouTube à l'époque, et forcé de constater que tout est là pour recréer l'ambiance de ces magnifiques coupes, la coupe Gordini comme elle était appelée dans les années 60 et 70. Cette voiture emblématique, hein. Toutes les sportives ne sont pas bleues, évidemment. C'était les slogans de Simca contre les Gordini qui se vendaient comme des petits pains à l'époque. C'était la sportive que tout le monde pouvait s'offrir. Ici, on est sur une version de la voiture qui est très bien modélisée, qui est très complète avec une pluie de skins. Je pense qu'on a près de 20 skins. Ce projet était à la base réalisé pour Air Factor 2 et maintenant, il a été porté sur Assetto Corsa d'une bien belle manière. Le don est tout à fait possible si vous souhaitez soutenir cette équipe de Français. Ils ont d'ailleurs un site que vous pouvez retrouver dans la description, et on leur doit également un mode F1 2015 pour Assetto Corsa qui est loin d'être mauvais. Donc on vous invite aussi à aller voir les épisodes précédents du Mode à la Mode. Ne remontez pas si loin, il doit y être dans la playlist. En tout cas, moi je vous laisse profiter de quelques plans de ces R8 Gordini plus belles les unes que les autres sur le tracé de Zandvoort. Merci à tous et profitez bien de ce mode. Amusez-vous bien en piste, les amis. Salut !